y a aussi chez Monteverdi des cris. Et je sais pas moi, quand on pense à Caravage qui nous montre une plante de pied bien sale ou des ongles bien noirs, etc., des choses laides qui sont pas forcément des choses qu'on va montrer dans l'art, il y a chez Monteverdi des choses qui sont de l'ordre d'une laideur. Par exemple, dans le monologue d'Hiro, vous avez un ornement qui finit par un rire et il le met vraiment à imiter le rire. Donc il y a une volonté de naturalisme qui est incroyablement hardie. Non troverai chi non è più del vasto ventre la falata cadente. Non troverai, non troverai che rida del ghiotto trionfar della tua ancora.